J'ai demandé aux chroniqueurs de nous raconter des anecdotes personnelles sur l'infidélité. Elles vont apparaître dans l'écran. D'ailleurs, à toi de découvrir quel chroniqueur a eu cette anecdote. J'ai servi d'alibi à une personne infidèle pendant des années. Oh. Ouais, moi, je sais pas, moi, je connais pas les réponses. Hein. Mm. Bah, moi, si j'étais toi, moi, je sais pas, je le sens. Non, j'irais sur une fille, ça. Ouais, moi aussi, moi, je sens bien Benaïm. Eh ben non, ah ouais, j'avais une hésitation. Avec qui Agathe. Agathe. Ah non, elle, non. Elle, c'est elle qui a dû être infidèle. C'est pas, je pense, franchement. Moi, j'irais plus sur Benaïm. Ah, cela dit, ouais, mais on peut pas tout. Mathieu, ça, c'est... Mmh. Moi, je me servirais bien de Mathieu, par exemple. Ah, t'es un amour. Merci. Mais Mathieu, je sens qu'on peut lui faire confiance. Alors, Mathieu, est-ce que c'est vous? Alors, absolument pas, mais non. C'est vrai qu'on peut lui faire confiance. C'est qui? Ah, c'est rien, moi. C'est Benaïm. Ah, voilà. C'est Benaïm, voilà. Alors, en fait, au départ, je ne savais pas que j'étais l'alibi. Ah ouais? C'est quand le copain a appelé à la maison que j'ai compris que j'étais un alibi et qu'il fallait que je trouve vite une solution. Et t'as trouvé? Eh ben, j'ai trouvé. Bah oui. Bah, en fait, j'ai dit qu'elle s'était blessée et qu'on était en route pour. Non, mais c'est genre. Mais Benaïm peut faire des énormes mythos. Mais non, parce qu'il fallait que je trouve un truc. Qu'on était en route pour la pharmacie. Et qu'elle m'attendait en bas et que moi je suis en train de fermer la maison et qu'elle attendait le en bas. Le problème, c'est qu'après, il faut la blesser vraiment. Non, mais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il voulait lui parler. Là. Et donc elle était en bas. Et donc ah ouais. Voilà. Et j'aurais jamais cru ça de Valérie. Ah, moi aussi, il y jamais. Un avant et un après. Mais je savais pas. Et quand t'as le compagnon qui appelle et que c'est ton ami, bah, tu sauves ton ami. Enfin, dans la vitesse, on sauve toujours ses amis. Et une fois que c'est fait, bah, après, t'es prise dans l'embrouille. Ah ouais, bah oui, voilà. Bah oui. Mais bon, de toute façon, elle a quitté la personne en question qui m'a appelé pour être avec l'autre. On s'en fout là. On s'en fout. On s'en fout totalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous le dis, moi, sur ma vie, j'ai attribué des jours de la semaine à deux personnes différentes. Ça veut dire. Je comprends pas. Jean-Mi. Moi, je dirais ou Agathe ou Jean-Mi. La partager la semaine avec deux meufs. Alors, ou Agathe, qu'est-ce que tu dis, toi, Philippe? Agathe. Oui, il veut que ce soit moi, ce soir. Ah non, 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 bah non, je. Non, Benjamin, non, il n'y a pas assez de jours. J'ai deux jours de la semaine à deux personnes différentes. Ça sent bien. Je ne comprends même pas la question. Jean-Michel. Non, c'est pas lui. Non, bah déjà. C'est comprends pas. Quelqu'un d'intelligent et infidèle. Donc, il n'y en a pas 50 autour de la table. Hein. C'est ou Nolo, ou Agathe, ou Delormeau, peut-être. Intelligent? Non, c'est Agathe, allez, Agathe. Agathe, c'est vous? Oui, c'est moi. Allez, mec. C'est moi. Ben, j'étais face à un dilemme, j'ai trouvé une solution. On était en CM1. Et Raphaël, le gars est venu. Oh, bon, d'accord, alors, excuse-moi, ça compte pas. Je m'inscris en faux. Moi aussi, en CE2, j'étais avec Mélanie Godin. C'est bon. T'étais qu'avec Mélanie. Non, bah oui, mais moi, c'est CM1, ça compte pas. J'ai toujours été comme ça. Non, mais non, là, ça compte pas. C'est un truc de la semaine dernière, pas un truc. Bah oui, risque de décevoir mon patron, je ne suis pas infidèle. Voilà, bon, bah très bien. Voilà. Ah. Alors donc, non, mais parce que comme j'ai vu ça, je me suis dit, bon, voilà, donc c'était en CM1, ça va, ça passe. En CE1. Alors, franchement, ça change tout. Il y a prescription, Agathe, c'est bon, on vous parle. Je sais même pas comment on se souvient de ça en CE1. Bien sûr. Mais, parce que c'était toute une organisation. En même temps, à la 16 ans. Hein. On avait fait des croix sur les agendas et tout, donc c'est ouf. Ouais, je te jure. L'histoire du roulage de pelles en CE1, merci. Ah non, on roulait pas des pelles, on se tenait la main, on se donnait des pogs. Ah ouais, c'était cool. C'est comme Castaldi avec ses meufs, financièrement, quoi. J'ai passé 48 heures seul dans un hôtel pour couvrir une infidélité. Ah, quelle race. Ça, c'est un truc de loser, ça, c'est Raymond. Ouais, c'est Manny. C'est rare de ça. Non, moi je penserais plutôt à. Voilà. Fabien Lecoeuf. Non, c'est vous. Non, c'est qui? C'est Raymond. J'ai dit, c'est un truc de loser, c'est moi. Non, il y a un pote à moi qui était avec une nana à Vierzon et elle l'appelle. La nana, elle l'appelle, elle lui dit, je débarque chez toi dans ton pavillon, je vais foutre le bordel avec tes gosses et toute ta famille. Il m'appelle, il me dit, faut absolument que tu viennes avec moi pour me couvrir, faut qu'on se barre en tournoi de foot à Vierzon tout de suite parce que l'autre, elle va rappliquer sur Paris, je vais me faire démonter. Je lui dis, vas-y, on y va, on va en tournoi. On arrive là-bas et du coup, pendant 48 heures, le temps qu'il désamorce et qu'il calme l'autre parce qu'il fallait la calmer, elle voulait à tout prix revenir sur Paris, le temps qu'il calme l'autre, on a pris deux chambres d'hôtel, j'étais à côté. Au cas où sa femme elle appelait, bah, je lui dis, je te le passe, je vais dans la chambre à côté, je tape le téléphone, l'embrouille. Et j'ai passé 48 heures à me faire chier à l'hôtel. Quoi. Alors, je vous le dis, on va mettre tout de suite en place. Ouais, non, mais ça veut dire que c'est un super pote. Oui, ça. Ouais. On va mettre tout de suite en place un numéro Azur pour les personnes qui ont compris cette anecdote. Mais sérieux, vous n'avez pas compris.
Il va être mis en place dans quelques secondes. Il va s'afficher au bas de votre écran. Vous inquiétez pas si vous avez des difficultés. Les chéris, j'ai envoyé à mon ou ma partenaire une photo de moi en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Pardon, répète. Il a envoyé par erreur à son ou sa partenaire une photo de lui ou d'elle en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est horrible. Quelle horreur. C'est plutôt facile. C'est Isabelle, c'est Isabelle. Mais non, c'est Jean-Mi. Jean-Mi, c'est ça. Il y a plaques avec les plaques. Elle a un bout. C'est Jean-Mi. Alors, c'est qui, à ton avis? Ça peut être Jean-Mi. Philippe, c'est facile. Ah, je pense que c'est Mathieu. Ah ouais. Mathieu, Philippe, il faut me lâcher maintenant. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, c'est pour ça. Mais c'est pas moi. C'est qui? Il est plus malin. Jean-Mi. C'est moi. Mais non. Ah, j'ai honte. Ah, ma vie, c'est terrible. Dites-nous ce qui s'est passé. On veut toujours faire le malin. Bah non, mais j'étais. C'est vrai que j'aime bien la photographie. C'est mon ami. Voilà, toi, voilà. Oui, alors. Donc. Et l'époque veut qu'on veut garder des souvenirs. C'est vrai, moi, j'aime bien garder des souvenirs parce que je m'attache forcément. Mais vous prenez rarement des souvenirs de monuments. Ouais, hein. Et puis, on va savoir. Très bien. Enfin, bref. Je prends une photo d'un acte sexuel avec une personne que j'aimais beaucoup, mais qui n'était pas ma partenaire officielle. Bon, et je prends la photo et un pote qui l'a kiffé aussi m'a dit, putain, si t'arrives à la déglingue, tu m'envoies une photo. Mais c'est encore pire. Si tu arrives à la séduire. Honteux. Mais comment on fait pour prendre une photo pendant? Non, mais. Oh, bah, je suis là-bas. Il est demain, hein. Mais t'as une poche pendant? Bah oui, c'est ça. Non, il n'y a qu'une position. Je ne veux pas possible. T'expliquer non plus. Déjà, un mot, j'ai formulé. Donc. Alors, voilà. Donc, du coup, je fais une photo et je l'envoie à ce dit pote qui m'avait dit prouve-moi que c'est vrai. Que tu l'as séduit. Et du coup, j'envoie la photo et comme moi, je pensais forcément par culpabilité à ma partenaire officielle, je cherche dans le numéro et inconsciemment, je tape le numéro de ma partenaire officielle. À qui j'envoie, je vois la photo partir et je tape mon appareil comme un malade en espérant qu'elle va partir. Alors, j'ai une technique pour ça. Ah bon, vous auriez mal, tout de suite, il faut mettre sur mode avion. Même quand tu l'allumes, c'est fini. Mode avion, ça part, après il y a un point. Moi, ça m'est arrivé, ça c'est épouvantable. Pas du tout avec une fille, mais ça m'est arrivé un jour. Ah, c'est vrai? Ah, oui. Tu veux maintenant? Vas-y, bah oui. Ok. Je réalisais un film pour Luc Besson. Ouais. Et le soir, c'est lui qui produisait, c'est un film qu'il avait écrit, que je réalisais. Et le soir, on n'est pas d'accord sur le casting. Et on s'engueule un peu, comme par texto. Et il me dit, bon, allez, à demain. À 7h30, ma femme m'appelle, je lui réponds, et Besson me dit, est-ce que t'es réveillé? Donc je lui dis, oui. Et ça reprend la discussion. Et ma femme m'envoie, est-ce que toi, t'es réveillé? Je lui dis, oui, ça fait une demi-heure que je me prends la tête avec l'autre pète couille de Besson. Non. Et j'envoie à Luc Besson. Et je dis, putain. Bon, ben voilà. Mode avion. Voilà. Ça, moi, on m'a déjà envoyé un SMS comme ça aussi, un chroniqueur de Laurent Ruquier. Mais non. Je cherchais son numéro. Et il dit, ouais, il y a l'autre con d'Anouna qui cherche ton numéro, est-ce que je lui donne? Et il me l'envoie. Je l'appelle. Je lui dis, alors, t'es trompé? Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. C'est vrai, c'est une vraie manne. Alors. Il est encore vivant aujourd'hui? Oui. Allez. Il est plus dans le paf. J'ai dû occuper la maîtresse d'un ami pendant qu'il était avec sa femme. On a déjà fait, ça revient beaucoup, ça. Ouais. Comment ça, occuper la maîtresse? J'ai pas compris. J'ai dû occuper la maîtresse d'un ami pendant qu'il était avec sa femme. Ah, ouais. Ça devrait être le contraire, occuper la femme d'un ami. Il va nous expliquer, c'est qui? Je sais pas. C'est toi, ça. C'est Nolo, ça. C'est compliqué, c'est Nolo. Ouais, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Un ami très proche qui avait donné rendez-vous en même temps à sa femme et à sa maîtresse. Non. Il me dit, ça va se jouer à 10 minutes, emmènes la maîtresse où tu veux. Je lui dis, j'ai pas tellement envie de sortir ce soir. Il me dit, si, t'as envie de sortir, je te prête ma bagnole, je te file 200 balles, dégage. Ah ouais. J'ai dû passer, la fille, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Non. Et il a réussi à la convaincre de passer la soirée au restaurant avec moi. Non, c'est ouf. Et alors, ensuite, j'ai couché avec elle. Non. Bah oui. Bravo. Bravo. Pas toi, comme ça. J'étais jeune. Mais en plus, t'as gagné 200 balles. C'est magnifique.
C'est vrai. Vous jouez chez vous, à votre avis, l'Orestre. Hey, magnifique, Nolo. Nolo, t'as pécho. Il faut s'en méfier. Il faut l'imaginer. Il faut s'en méfier, celui-là. C'était au CE1. Voilà, CM1. Voilà, j'ai oublié de le dire. En regardant un relevé de compte. Ça, c'est quelqu'un qui enquête. C'est Belgique. Oh, c'est une fille, ça. Ça, c'est une fille. C'est Isabelle. Mais pourquoi vous dites ça? Ah non, non, moi, j'enquête pas, je m'en fous. C'est quoi, ça, c'est qui? C'est toi? C'est lui. Quoi? Bah oui, parce que ma femme était partie. Soi-disant pour un tournage. Et j'avais un gros doute sur le lieu. On sait qui c'est. Laquelle? On va rester qui c'est. Un tournage. Ouais, un tournage, évidemment. J'en ai trop dit. Et en fait, j'étais sûr qu'elle n'était pas à l'endroit où elle disait qu'elle était. Et donc, j'ai appelé, évidemment, la carte bleue. Je lui ai dit, dites-moi quelles sont les dépenses faites et à quel endroit. Et j'ai su qu'elle était effectivement à Annecy et non pas à Lyon. Oh, la débutante. Ouais, débutante. Ah ouais. Ah ouais, non, là, franchement, c'est nul. L'infidélité est déjà surprenante, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il regarde un relevé de compte. C'est ça, parce que Benjamin, c'est pas le genre. Mais je voulais savoir où elle était. Elle peut être avec n'importe quel mec, juste qu'elle dépense pas d'oseille, s'il vous plaît. Exactement. C'est ce que je lui demande. Voilà, je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. On a quoi? Mon conjoint a cru que j'étais infidèle à cause de la télé. Hein? Ça, c'est le genre de. Non, non, merci. C'est Mathieu. Isabelle, ça, non? Oh, arrête, Philippe. Ouais, c'est quoi? C'est Isabelle. Hein? Ben oui, c'est moi. C'est vous? Ouais. C'est passé? Je partais, c'était en 82. Je partais en reportage. En 1800. C'était alors un perdreau de l'année. En 82, après Jésus-Christ. Juste après JC. Je partais en reportage en Normandie avec des copains. Il y avait dans le lot un très beau garçon qui travaillait à Géo et qui rêvait que j'ai une liaison avec lui et que je quitte mon mari. Et on s'est retrouvés en Normandie. Et il portait la poisse, ce garçon. Il était formidable, mais il portait la poisse. Il y a une congère de neige qui se forme et on se retrouve. La seule bagnole qui se retrouve dans la congère de neige, c'est la nôtre avec le très beau garçon et moi. Et les caméras de France 3 Normandie arrivent et elles filment. Et la présentatrice, et moi je ne le savais pas, annonce qu'on vient de trouver un couple qui s'est trouvé pris dans une congère de neige. Et la dame me dit, mais vous êtes là avec votre compagnon. Oh, ça met. Arrête de rire comme une nièce. Pardon. Pardon. L'émission, ça fait 2 heures qu'elle a commencé. Il y en a, ils ont le droit de raconter des merdes sur la longueur, et moi, je dis 3 fois pour arrêter. Alors, laissez-la finir. Je ne savais pas, comme mon compagnon, il y a des gens qui ont dit à mon mari, mais dis donc, ta femme est bigame, je ne savais pas ça. Ah ouais, alors, mon mari a dit, je lui fais confiance, c'est tout. Allez, je lance tout de suite un hashtag. À quelle heure vous avez décroché? À congère. Je suis resté caché toute une journée dans un parking pour surprendre mon conjoint. Oh, ça, c'est une fille. Ça, c'est le genre de. C'est que les gens qui ont pas fait des conneries. C'est que les gens qui ont pas fait des conneries. C'est Mathieu. Oh, merde, Philippe. Mais t'es pas sorti encore. C'est Kelly. T'es pas sorti. Un mec bien. Oui, c'est moi. Mais t'es pas sûr. À l'enquête, elle. J'avoue, c'est moi. Ah, elle. J'étais plus jeune, mais la géolocalisation existait déjà. Bon, c'était il y a 2 ans. Oui, c'est ça. On a compris le bail. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Et j'avais une copine qui m'avait aidé à mettre un mouchard dans mon portable pour localiser mon mec. Bah oui, bah quand faut le faire, faut le faire. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah je vais dormir chez une copine, donc tranquille. Il m'a dit, oui, je reste à la maison avec des potes et tout. Donc je me suis dit, bah très bien qu'il me dise ça parce que je savais qu'il resterait pas du tout là. Et j'ai passé ma soirée. À un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, 3-4 heures du mat, je vais le localiser. Là, je suis avec ma copine et tout. Je le localise. Attention, Kelly, ça devient long. Ouais. C'est la fille d'Isabelle Morillo. Et au final, j'étais dans le 91 chez moi et je me suis retrouvée dans Paris à l'attendre dans un parking souterrain et à le choper en bas de la boîte et lui dire bah, hello, c'est moi, quoi. Ah, non, hello, c'est moi. Ah ouais. Et c'est mort. Mais, oui, mais il faisait quoi dans le... Ah oui, il était sorti. Oui, il était juste sorti. Pour moi, ça veut dire la même chose. C'est ouf. Il récupère sa voiture. Quoi, il est juste sorti en boîte. C'est même pire parce que ça peut être plusieurs meufs. Oh là là. Il a récupéré la voiture avec quelqu'un. Elle est jalouse, elle est jalouse. Voilà. Je vous dis. Alors, allez. C'était une belle histoire. Merci. Bon, ben là, maintenant, on sait que c'est toi, Mathieu. Attendez. J'ai eu une relation avec la femme d'un mec pour lequel ma petite amie m'a quitté. Oula, ça, c'est il reste que le cœur. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. Il reste que le cœur, vous, Mathieu. C'est le cœur, ça. Ouais. Bah oui, c'est ça. Alors, on n'a rien compris. En fait, ma petite amie de l'époque était partie avec. C'était une petite amie. Ma petite amie de l'époque était partie avec un mec. C'est vraiment. Et puis la femme du mec débarque chez moi en me disant, vous savez que mon mari est parti avec votre femme. Ah ouais. Alors j'ai dit, je veux me venger. Alors j'ai dit, vous savez, moi, on peut faire un truc. Ouais. On va coucher ensemble. Un poker. Et puis comme ça, vous allez lui faire savoir. Et là, vous êtes vraiment vengé. Mais lui, il est ça a mis un bazar.
Et les phrases de Dieu. Ça vient de ça. Oh là là. Diantre, mon mari. De tous les côtés. Hein. Non. Parce que vous l'avez quitté après la femme ou pas? Elle voulait recommencer le lendemain, mais moi, comme je voulais reprendre avec mon ex. Bah oui. Donc, ah ouais. Mais alors ça a mille. Vraiment... Mais elle est... vous étiez en pantalon moulant quand elle est arrivée. Ah, oui. Il y avait toujours la canette dans le pouce. Arrête, bon, bah maintenant, je peux dire que c'est Mathieu. Bravo. Oh, alors, Mathieu, je suis sorti avec le jumeau de mon partenaire classique. Ouais. Bah, classique. On sait très bien que vous êtes sorti avec Igor et Grishka. C'est de là qu'est partie la fameuse mentonnade, hein. Voilà. On t'a fait vite, mais tu vois ce que c'est que le sens du rythme, mamie à la télé. C'est que, voulant rendre service sur Instagram à des fans qui m'écrivent, il y en a un très beau qui m'écrit un jour. Je le rencontre, on prend un verre parce que je voulais savoir ce qu'il devenait. Il est très beau, il a un frère jumeau, je l'ignorais. On couche ensemble, ouais. C'est super, une bombe. Trois jours après, il veut me revoir. On recouche ensemble. D'accord. Et ben en fait, il s'est fait un petit pari entre eux, les deux petits coquinous. Oh là là. C'était que les deux pouvaient se taper le même. Et en fait, quand je recouche avec le deuxième, c'était le frère. Non, ouais. C'est fou. Et puis, en tant que je ne l'ai pas vu. Et pourtant, normalement, eh ben, écoutez, dire que il n'y a pas deux sexes pareils. Oui, je sais. Attendez, on a un bon rythme, on ralentit. On ne s'arrête pas sur cette phrase. Attention, Dodane. C'est parti, les gars. On est bien, moteur. On peut quand même s'arrêter deux minutes sur la phrase de conclusion. Oui. Il n'y a pas de sexe pareil. Non, mais il a raison. C'est vrai, c'est ça. Tout moi, tu m'en mets 10 différents. Autant chez les 10, je te retrouve les 10 partenaires. Eh bien, ils sont là ce soir. Et mieux. Mieux dans le noir. Les yeux fermés. Les mieux. Ils ont mieux. Fermé. Sans avoir vu, je vous jure, c'est vrai. Sans avoir. Un jour, tu prends de n'importe qui ici. Oui. Au hasard, tu le mets, je te dis qui c'est. D'accord, bah très bien. Quand tu dis tu le mets... Tu le mets en affiche, je te... Pas toi, mytho, parce que je l'ai vu, mais quelqu'un que j'ai pas vu. Mais arrête, ça devient mytho. On fera ce qu'on appelle un hoostab. Isabelle qui veut. Oui, bonsoir. Ça va être très très bref, à propos de frères jumeaux. Moi, j'ai ma meilleure amie qui a appris il n'y a pas longtemps que son père, qui avait un frère jumeau, en fait, que son père, c'est son oncle. Non. Son oncle s'est dit un jour où son père avait envie d'aller en ville, il a demandé à son frère de prendre sa place dans le lit conjugal. Ah et ouais. En fait, elle a appris donc que son oncle... Son frère et son oncle. Congère, puis... Non, mais c'est vrai, son frère et son oncle. Ah. Non, mais c'est un truc de ouf. Moi, ma mère, elle vient d'apprendre que mon père et son frère.